Bonjour, nous sommes ici pour présenter aujourd'hui un ouvrage qui est absolument magnifique et son auteur qui est Jules Cuny, conservateur à l'université de Copenhague, spécialiste des requins fossiles et qui vient donc nous présenter aujourd'hui en relation avec Alain Beneteau, un administrateur absolument formidable, l'ouvrage donc « Requins de la préhistoire à nos jours » paru chez Belin. Alors, avant de parler directement de ce livre, on va parler un petit peu de ce qu'est la vocation pour vous. Puisque je sais en lisant votre ouvrage que vous vous êtes intéressé très tôt aux dinosaures, puis ensuite aux requins, et que tout ça est venu en fait d'un ouvrage illustré. Tout à fait. En fait, c'est un livre qui a été, enfin, je pense que tout le monde connaît, les animaux de la préhistoire qui avait été illustré par Burian, qui est un illustrateur tchèque des années 70-80 et qui a fait un travail tout à fait fantastique. Je pense qu'il a fait rêver tous les enfants que nous étions et énormément de paléontologues ont commencé leur carrière parce qu'ils ont eu l'occasion de lire ce livre. Donc je ne déroge pas à la règle. Mon père m'avait offert ce livre. Lorsque j'avais 7 ans, et peut-être comme beaucoup d'enfants, j'ai dit « Ah là là, c'est fantastique, je veux être paléontologue ». La seule différence, j'étais peut-être un petit peu plus têtu que la plupart des autres enfants, et j'ai mené le projet à son terme. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que vous indiquez que vous vouliez devenir paléontologue, et un jour, il y a eu le déclic. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé aux requins ? Alors, comme la plupart des enfants, je voulais faire de la paléontologie pour étudier des dinosaures. Parce que les dinosaures, ça reste quand même les animaux qui font rêver la plupart des enfants. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'au cours de ma thèse, j'ai trouvé un dinosaure qui est l'archétype de l'animal qui va vous dégoûter à tout jamais des dinosaures. C'est un prosauropode, Plateosaurus. On l'avait découvert avec des collègues de l'université Paris 6 à Lons-le-Saunier. Et c'est un animal qui est connu par à peu près 200 squelettes complets. Donc on était très contents. On a trouvé plus de 300 ossements de l'animal et on n'avait rien à en dire parce qu'en fait, il avait déjà été totalement décrit, complètement. Il n'y avait rien de nouveau à ajouter. Mais sur ces mêmes sites où on a trouvé le dinosaure un petit peu plus haut, j'ai commencé à récupérer mes premières dents de requin et là j'ai découvert un monde qui était étonnant en ce sens qu'on parle beaucoup des requins comme des animaux finalement qui sont très bien connus. Après tout le monde connaît le grand requin blanc. On se limite d'ailleurs très souvent à cette notion quand on parle des requins en général. Mais en grattant un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de choses qui étaient connues sur la biologie des requins modernes, sur l'évolution entière du groupe. Et puis, j'ai commencé à travailler sur la microstructure de l'émaillioïde, du tissu un petit peu comme l'émail qui recouvre la dent de ces animaux. Et là, j'ai découvert un monde entièrement nouveau. Et ça a été le début d'une grande passion et ça fait maintenant plus de 20 ans que j'étudie uniquement les requins. Alors ce qui était très, très intéressant également, c'est que chaque année, il y a beaucoup de livres, d'ouvrages généraux qui sortent sur les requins, pas souvent écrits par des spécialistes. Or, sur les requins fossiles, il y a très peu de choses, en dehors effectivement du travail de spécialistes, surtout dans la communauté paléontologique. Vous aviez déjà publié il y a quelques années aux éditions EDP « Les requins sont-ils des fossiles vivants ?». Vous aviez également publié plusieurs articles dans La Recherche, notamment un article sur les requins d'eau douce, justement où vous aviez rencontré Alain Beneteau déjà pour faire quelques illustrations. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si on avait une machine à voyager dans le temps et qu'on retournait très très loin au paléozoïque et qu'en même temps on avait un bathyscaphe, les requins seraient parmi les animaux qu'on pourrait reconnaître presque immédiatement, parmi la faune un petit peu marine de l'époque. Alors là je vais tenter de répondre oui et non. En fait, très très tôt, il y a environ 370-380 millions d'années, on a déjà l'organisation générale d'un requin qui existe, c'est-à-dire un animal hydrodynamique avec deux nageoires dorsales, quelque chose qui ressemble tout à fait à ce qu'on peut voir chez le grand requin blanc actuel par exemple. Mais à côté de ça, il y a une variété absolument incroyable avec des animaux qui ne ressemblent pas du tout à des requins modernes et qui malgré tout appartiennent à ce groupe des poissons cartilagineux, les chondrichtiens. Donc en fait, essayer de réduire les tout premiers requins au paléozoïque à quelque chose de similaire à ce que l'on voit aujourd'hui, ça serait une réduction par trop abusive. On a vraiment une variété qui est beaucoup plus importante que ce qu'on peut observer aujourd'hui, même si on inclut les chimères, les raies, les requins. Au paléozoïque, on a vraiment des formes qui étaient vraiment tout à fait étonnantes, avec à côté, bien sûr, un beau plan de requins modernes, mais qui est loin
à cette époque de dominer les faunes. D'ailleurs, je pense que l'une des principales raisons pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'était justement pour vraiment discuter ce point, pour insister sur ce point, que les requins, c'est quelque chose de beaucoup plus varié, de beaucoup plus divers que ce qu'on imagine, surtout quand on regarde ce qui reste aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'en fait, aujourd'hui, on a à peu près 1200 espèces de requins qui restent. C'est très très peu par rapport à la diversité que l'on avait au Paléozoïque. Alors justement, ce sont des animaux qui ont quand même passé 450 millions d'années d'évolution, qui ont survécu à 5 crises majeures d'extinction à la surface de la Terre. Comment pouvez-vous expliquer leur persistance ? Est-ce que c'est lié à leur adaptation ? Est-ce que c'est lié au fait que les prédateurs qu'ils rencontraient dans les eaux de l'époque aient disparu et qu'ils aient occupé leur niche écologique, un peu comme les mammifères ont occupé celle des dinosaures à leur disparition ? Ou est-ce qu'ils étaient déjà, à la base, prévus avec tous les outils nécessaires qui leur auraient permis déjà d'avoir ce statut de super prédateur ? Alors, encore une fois, ça reste plus compliqué parce qu'ils ont survécu à 5 extinctions majeures, mais lors des 5 extinctions majeures, ils ont énormément souffert. Il y a beaucoup de lignées qui se sont éteintes, notamment à la limite entre le Permien et le Trias, il y a 250 millions d'années. Il y a beaucoup, beaucoup de lignées qui disparaissent. La clé, je pense, de leur réussite, justement, c'est cette idée sur laquelle on n'insiste pas suffisamment, c'est leur diversité. En fait, ces animaux sont tellement diversifiés que lorsqu'on a une crise majeure avec l'effondrement de tout un ensemble de chaînes alimentaires, il restera toujours un animal qui est spécialisé sur un autre domaine et qui, en fait, va pouvoir rebondir. Quand je dis spécialisé, d'ailleurs, c'est une erreur, parce que c'est au contraire des animaux qui sont en général très peu spécialisés et qui sont capables de rebondir après une extinction en masse. Donc je pense que ça se base énormément sur leur diversité au départ, qu'on a toujours tendance à sous-estimer finalement. Même aujourd'hui d'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le plus petit requin, Ethmopterus peri, mesure 18 cm de long. Hein. On est très très loin du grand requin blanc et c'est un animal qui vit à des grandes profondeurs, plus de 1000 mètres, en général dans un environnement qui est très très stable. On parle à l'heure actuelle d'une extinction majeure due à l'activité humaine, dans ces milieux, cette extinction se fera moins sentir. Et c'est certainement des requins tels que celui-ci qui permettront à l'ensemble de la lignée de rebondir après ce que l'homme est en train de faire à sa planète. Alors, il y a quelque chose de très intéressant également, c'est que les chondrichtiens, on sait qu'ils possèdent un squelette cartilagineux qui se conserve très très mal au cours de la fossilisation. Les éléments qui possèdent des tissus bien plus minéralisés sont les dents, les denticules, les épines, etc. Et quand on voit un fossile à la manière dont il est découvert, qui est presque une vision en deux dimensions, comment peut-on ensuite arriver à extrapoler sa morphologie générale, en représenter une espèce d'animal en trois dimensions ? Quel est le rôle un petit peu de l'anatomie comparée ? Quel est ensuite le rôle effectivement du dessinateur qui vient derrière pour essayer d'ajouter tout ça ? Quelle est un peu la relation entre le paléontologue d'un côté et puis l'illustration ? Comment peut-on essayer de mettre en état un animal qui a disparu il y a des dizaines, voire des centaines de millions d'années ? Et est-ce qu'on n'est pas soumis un petit peu à, je dirais pas de la science-fiction, mais au moins un essai avec d'énormes variations potentielles. On a beaucoup de problèmes parce qu'en fait, tant qu'on reste justement au sein des élasmobranches, ça reste relativement facile. Pour une raison simple, on a des animaux actuels qui sont quand même très proches morphologiquement des formes fossiles dont on extrapole l'actuel sur le fossile et on arrive à avoir une reconstitution qui est à peu près correcte. Là, pas de problème. Avec Alain, on a eu d'énormes problèmes avec certaines de ces reconstitutions. Dans ce livre, il y a des requins fossiles qui sont représentés pour la première fois. Et quand vous faites une description d'un fossile, c'est toujours relativement simple quand vous écrivez, parce que vous dites, il avait peut-être un opercule et il avait peut-être 30 dents par demi-mâchoire. Mais quand vous devez le représenter, là, il n'y a plus de peut-être, il faut faire le dessin. Et là, c'est vrai qu'il y a une part un petit peu de science-fiction. Alors bon, on essaye quand même de se baser sur des faits scientifiques, mais on est obligé de faire appel à notre imagination et à beaucoup d'extrapolations qui sont vraiment à la limite du scientifique. On a par exemple une reconstitution dans ce livre d'un Norodus, un requin relativement simple, hein. c'est un long requin cylindrique, c'est pas très très compliqué. Le problème c'est qu'Orodus c'est pas vraiment considéré comme un requin, il serait plus du côté des chimères. Or, toutes les chimères actuelles ont un opercule qui protège les branchies. Et là on s'est posé la question, étant sur la lignée des chimères, est-ce qu'il avait ces fentes branchiales typiques des requins ou est-ce qu'il avait un opercule comme c'est les chimères ? Bon, il est sur la branche des chimères, on lui a mis un opercule.
est-ce que vraiment l'opercule est apparu à ce niveau-là ou est-ce qu'il est apparu plus tard dans l'évolution des chimères? Honnêtement, on ne sait pas. Donc là, il y a vraiment un risque qui est pris sur la reconstitution de l'animal. Alors, c'est chez les formes paléozoïques sans équivalent actuel, on a toujours ce genre de problème. Il y a beaucoup d'interprétations qui sont des interprétations à risque. Alors, une des dernières questions, on a vu donc, et là vous le montrez très très bien avec énormément d'illustrations dans votre ouvrage, c'est vraiment très très clair à lire, vraiment très didactique. Les requins ont donc subi plusieurs extinctions et il est paradoxal qu'à l'heure actuelle, ce soit surtout l'homme qui soit peut-être responsable de leur prochaine extinction. Il y a plusieurs centaines, enfin il y a au moins une centaine de millions de requins qui sont tués chaque année pour les soupes aux ailerons de requins. Même si les choses commencent à bouger un petit peu en Asie où il commence à avoir un petit recul à ce niveau, la surpêche, la pollution. Est-ce que vous avez encore un petit peu d'espoir qu'on puisse faire quelque chose à ce niveau? Alors oui et non. À l'heure actuelle, la situation est, je pense, à passer le point critique. Chez certains, enfin chez les grandes formes prédatrices, là, je pense qu'il va y avoir énormément de dégâts. Il n'y a plus grand-chose à faire. Il y a plusieurs choses. Parce qu'en fait, il y a la surpêche, il y a la pollution, mais tout ça vient se mélanger avec un changement environnemental global, avec le changement climatique. Je reste quand même très optimiste par rapport à la survie de la lignée, parce que, comme je l'ai dit, il reste quand même énormément de diversité au sein des requins et des chimères actuels. Il y a encore beaucoup de groupes qui vivent à de grandes profondeurs, qui restent quand même des domaines qui sont pour l'instant relativement épargnés. C'est pas encore tout à fait rentable d'aller pêcher à 2 ou 3 000 mètres de fond. Malheureusement, ça pourrait le devenir. Donc, à partir de là, il y a une partie des requins, notamment essentiellement les squaliformes des grands fonds, qui vont survivre, qui vont rebondir. Les poissons cartilagineux ont prouvé qu'ils pouvaient faire ça au cours des 5 dernières extinctions en masse. Mais il va y avoir, à mon avis, il va y avoir beaucoup, beaucoup de pertes dans les 2 à 3 siècles qui viennent, malheureusement. Et là, je suis plus pessimiste, parce que même si on commence à prendre des mesures, la pêche aux ailerons de requin fait énormément de dommages. La pollution n'est pas quelque chose qui va pouvoir disparaître très rapidement. Et puis surtout, on commence à voir les migrations de populations de requins en fonction du réchauffement des eaux. Et ça va être très très déstabilisant sur l'équilibre des écosystèmes à long terme. Et quels sont vos projets scientifiques actuellement? Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres pays à visiter, des groupes particuliers à étudier? Alors, en ce moment, j'ai commencé un projet sur l'étude des premières raies du Crétacé au Liban. Projet très intéressant parce que le Liban est un des rares pays qui a fourni énormément de squelettes de requins et de raies complets. En général, le squelette est cartilagineux, donc on a plutôt tendance à trouver quelques dents, quelques épines, quelques fragments de crâne. Mais là, non, on a des animaux complets, donc c'est un projet qui est en cours. On essaye de lever des fonds de façon à le mener à bien. Je continue mon travail sur l'évolution des hippodontes d'eau douce, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé. En général, les gens parlent de requins, ils pensent automatiquement à la mer. Il faut savoir qu'il y a à peu près une centaine de millions d'années, il y avait une diversité tout à fait remarquable de requins d'eau douce qu'on trouvait dans les rivières, dans les lacs, avec énormément d'espèces différentes, avec des dentitions différentes. Donc ça, c'est un travail qui m'intéresse beaucoup. Je le mène à l'heure actuelle essentiellement en Thaïlande. Et puis sinon, je suis conservateur au musée d'histoire naturelle du Danemark, donc je travaille sur les faunes de l'Éocène du Danemark. Il faut quand même bien que je justifie mon salaire localement. Et bien en tout cas, Gilles, je peux vous dire que si la vocation naît à partir de livres, elle peut s'exprimer aussi de très belle manière, presque 55 ans après. Et donc je recommande donc fortement votre ouvrage « Requins de la préhistoire à nos jours » chez Belin avec Alain Beneteau. Merci encore. Je vous remercie. Au revoir.